Est-ce que tu penses que j'aurai des gros nichons un jour, moi aussi? J'en sais rien, Prune. Tu peux mettre le couvert en attendant? Tu peux pas frapper, putain? Quel blaireau! Bah, en même temps, c'est un peu ma chambre, quoi. Ça t'ennuie de lui prêter ta chambre? Papa! Bah oui, ça m'ennuie. Pourquoi tu demandes pas ça à Marc? C'est très bien que ton oncle a besoin d'espace pour écrire. Pour écrire? On va ressembler à un couple au bord du divorce, moi, je trouve. Bonsoir, Maurice. T'as le droit de m'appeler papa aussi. Laisse-la vivre un peu. Tu gères l'éducation de ton fils et je m'occupe de celle de ma fille, ok? C'est vrai, je peux t'aider là? Il y a quand même 3 millions d'animaux qui sont plaqués dans des hangars et je vous dis pas le stress qu'ils ont. T'es juste une énorme tapette en fait. Papa est mort. On l'enterre après-demain. Vous partez en vacances? Oui. Non, en fait, c'est funérailles. La femme de mon père. Là, le père de ma femme. Ça fait longtemps que tu m'as pas regardé comme ça. Je suis trop vieille, c'est ça? On est en voyage. On visite un lieu qu'on ne connaît pas. Pardon, madame. Oui? On découvre une culture différente. C'est immonde, hein? Mais ça fait partie de l'expérience. Bon. Hop, les leçons de vie du père Castor, c'est bon. Mais c'est toi, mon problème. T'as touché, là? T'es très agressif. Allô? Je suis sûre que ça joue beaucoup sur l'attitude de Lucie, ça. Mais quelle attitude? Non, bien sûr, t'es pas ma mère, Claire. Donc occupe-toi de ton père, de vos non-dits et de vos rancœurs, et puis tu me laisses tranquille. Pourquoi vous abandonnez, grand-père? Prune, ton grand-père nous a pas vraiment abandonnés. Claire a besoin de nous. Et toi, tu fais aucun effort. T'as l'air triste. Tu te rends compte qu'on a perdu 7 ans de notre vie avec les papas à cause de cette rancune à la con? Arrête de dire de la merde! Une fois qu'on est tous réunis, j'aimerais bien qu'on se retrouve un peu. C'est un beau jour pour pardonner.